Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. La course entre Erling Haaland et Kylian Mbappé vient de se terminer et Erling Haaland vient de passer devant Kylian Mbappé. Je sais, ça vous choque. Je sais que vous êtes tous choqués. Personne ne peut passer devant Kylian Mbappé, surtout quand il court. Mais là, on parle de but. Erling Haaland, cette saison, il en est à 56 buts. Kylian Mbappé en est à 54 buts. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on a eu avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? Maintenant, on va l'avoir avec Erling Haaland et Kylian Mbappé. Ils vont commencer à se battre. Tu te rends compte? L'autre, il va mettre un quadruplé. Lui, il va répondre par un triplé. L'autre, il va mettre un quintuplé. L'autre, il va répondre par un quadruplé. À la fin des comptes, les deux, ils en seront à 260 buts dans une seule saison. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? Dans tous les cas, je vous vois bien commencer à venir vous moquer et à nous expliquer que Erling Haaland est plus fort que Mbappé. Ça, ce sont les gens qui ne connaissent rien au foot. Mais bien sûr, quand tu vois Mbappé, quand il décroche ou quand il récupère le ballon et qu'il déborde et qu'il fait vaciller les défenseurs, hein, qu'il les fait monter dans le train Mbappé et que les gens vomissent dans le train. On ne te parle pas de Erling Haaland qui vient mettre des coups de poitrine, des coups de genoux pour marquer des buts. Non, il a juste à pousser le ballon dans les cages. Il a fait quoi? Deux, trois dribbles dans toute la saison? Et puis vous allez venir le comparer à Kylian Mbappé? Hein? Non, mais on marche sur la tête. C'est fini, mais c'est le pompon. C'est du grand n'importe quoi. Mister Broching, il est plus fort que Mbappé? Mais vous êtes malade ou quoi? Hein? Vous êtes pas bien? Bon, vous allez commencer à vous concentrer. C'est vrai, Erling Haaland est un finisseur hors pair. On va pas se mentir. Il se place très très bien, mais en termes de jeu, on doit lui apporter l'assiette pour qu'il commence à déguster. Tu comprends? Alors que Kylian Mbappé, il peut cuisiner, faire le dressage et manger lui-même. Tu entends ce que je te dis? Alors que Erling Haaland, il est assis comme ça sur la table. Et il y a De Bruyne qui vient lui mettre la cuillère dans la bouche et lui, il est là. Et puis vous venez dire que lui, il est plus fort. Commencez à vous concentrer. Parce que la concentration, c'est quelque chose d'important. Et surtout, commencez à vous documenter et arrêtez de parler si vous ne connaissez pas le foot. Tu comprends? Hein? Erling Haaland, il a mis plein de buts. Voilà, il est passé devant Mbappé. C'est fini. On n'en parle plus. On commence pas à faire n'importe quoi là.